Semaine 4 de Toulipo. Vous allez pouvoir aujourd'hui voter pour les meilleures productions de la semaine dernière. Et vous devrez cette semaine écrire un pangramme. Qu'est-ce qu'un pangramme? C'est une phrase la plus courte possible qui comportera les 26 lettres de l'alphabet. Un exemple? Non, ça serait trop simple. Vous auriez trop d'indices. Je vais plutôt vous donner quelques conseils. Ainsi, si vous voulez réussir à écrire le pangramme le plus court, il faudra essayer de lister des mots avec des lettres toutes différentes, comme sur, sur, qui a trois lettres différentes. Ou alors, trouver des mots qui ont des lettres qu'on utilise peu souvent, comme le W, le Z ou le Y. Vous produirez toute cette semaine, et en fin de semaine, vous choisirez dans la classe les meilleures productions de chaque catégorie. Le pangramme le plus réussi, qui sera donc le plus court, le pangramme le plus drôle, et enfin le pangramme coup de cœur de la classe. Vous enverrez vos trois tweets, en n'oubliant pas de mettre hashtag Toulipo, hashtag EQ, le numéro de votre équipe, 1 pour le pangramme le plus réussi, 2 pour le pangramme le plus drôle, 3 pour le pangramme coup de cœur. Et enfin, la semaine prochaine et dernière semaine, vous aurez à voter pour les meilleurs de chaque équipe. Bonne semaine à vous !